Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo les potes. Et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo avec notre petit Pico. Coucoui. Il est tout gentil là, je sais pas ce qui se passe. J'avoue, il est tout calme. Ah non. Zéro crédibilité. Zéro là. Je sais pas si vous l'avez compris, mais aujourd'hui, on l'avait dit hier sur live d'ailleurs. Yes. Enfin, du coup, c'était hier. Du coup, hier les potes, ça faisait un an qu'on avait Pico. Yes. Du coup, voilà, en fait, entre parenthèses, bah, c'est un an avec nous. Bah, ça fait là, exactement, il a un an et deux mois. Parce qu'il a eu deux mois de sevrage. Oui, en gros, non, il a un an, deux mois et un jour. Voilà, ça. Voilà. Mais en gros, c'est obligatoire le sevrage chez les chiens parce que si le chien n'est pas sevré, bah, il est désœuvré. N'importe quoi. C'est juste qu'il peut avoir un comportement anormal. Ouais, désœuvré. Voilà, bon bref, du coup ça fait quand même déjà un an qu'on a eu Petit Pouic Pouic. Si vous retournez sur la chaîne un an en arrière, vous verrez la vidéo on a enfin notre bébé chien. C'est vrai, il y a pile un an. Ouais, il y a pile un an. Ah ouais. Un an et un jour parce que du coup c'était hier, mais c'est vrai qu'hier on a complètement zappé la date. Et puis voilà. On a été fort quand même, Pico. On a été fort. Parce que bon, ça a pas été toujours facile, mais bon. Mais vraiment, ça fait un an qu'on l'a quand même. Ouais, j'avoue. Ça fait un an qu'on... C'est passé hyper vite, j'ai l'impression que genre ça fait 4 mois qu'on l'a, tu vois. Yes. Bref les potes, avant de commencer quoi que ce soit de la vidéo, bah, je tiens juste à m'excuser du retard un petit peu de la vidéo. Ouais. Je pense que cette vidéo sortira en retard, bah, plus tard qu'on a l'habitude de sortir nos vidéos, genre je pense 21h, 21h30. Mais on va vous montrer pourquoi, il y a une bonne raison. Yes, parce qu'on a galéré à faire quelque chose aujourd'hui, ouais. Enfin vous allez voir, vous allez comprendre. Du coup, bah, je tiens juste à m'excuser les potes, n'oubliez pas quand même de liker. Merci à tous ceux qui participent au pouce bleu, merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne est en pleine croissance, ça fait super plaisir les potes, on est bientôt 500 000 abonnés. Merci également à tous ceux qui rentrent le code créateur dans la boutique Fortnite, ça nous aide vraiment énormément. Merci à ceux qui penseront à le faire également après cette vidéo, parce que je vous vois, il y en a certains, vous ne soutenez pas encore dans la boutique, donc n'hésitez pas vraiment à passer le pas les potes. Quand vous rentrez sur le jeu, vous allez juste aller dans la boutique et à cliquer en bas à droite sur soutenir un créateur. Et juste à rentrer le code duo les potes. Franchement, merci à ceux qui rentrent ce code, tout simplement. C'est le code du bonheur. Ah oui. Bon, du coup, vraiment, qu'est-ce que tu as à dire au bout d'un an de Piccolo? Ça a été compliqué quand même. Une galère en vrai. Non, mais on est content hein, de l'avoir. Hein, mais franchement, c'est une terreur. Ouais. Tout à l'heure, vous savez ce qu'il m'a fait? Il s'est barré. Non, mais je vous jure, on va vous montrer en fait pourquoi on sort la vidéo tard. Et du coup, en fait, il était avec nous dehors. Faut savoir juste que en fait il n'y a pas de portail à notre lotissement, du coup en fait il peut sortir sur la route quand il veut. T'as la tête qu'il a. C'est quoi cette tête qu'il fait? Bref, tu te disais. Du coup, vu qu'on était dehors mais pas dans notre jardin, genre dehors à l'extérieur de la maison en fait. Je sais pas comment expliquer, mais on va vous filmer après. Et ben en gros, cette petite canaille. Il est parti sur la route, il y avait des voitures qui passaient et moi j'étais là à hurler Piccolo, 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 à courir comme une vache. Et il y allait se rouler dans des bottes de foin pleines de merde. Enfin bref, c'était horrible. Pendant au moins 10 minutes, il courait, genre il m'évitait et tout. Il faisait exprès et ça m'a rendu ouf, mais un truc en de fait, malade. Il cherchait la merde. Ouais. Mais surtout qu'en plus, le seul moyen de le ramener, parce que j'avais beau l'appeler et le gueuler dessus, il revenait pas. Le seul moyen que j'ai trouvé, c'était de courir. Donc du coup, du champ. C'était à peu près là où on a laissé le hérisson pour ceux qui ont vu sur Insta. Donc j'ai dû courir du champ jusqu'à la porte d'entrée. C'est comme ça que j'ai réussi à choper parce que sinon il voulait pas que je le chope. À chaque fois que j'étais genre à 1 mètre de le choper, bah, il se barre en courant et tout. Enfin bref, horrible. Un canaille. Un an de conneries en fait. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à l'attraper. Et vu qu'il était plein de merde, on allait laver. Il sent bon là maintenant. Tu sens bon la fleur d'oranger, oui. Et du coup, bon, c'est un an quand même, ça a été beaucoup d'amour. Ouais, c'est vrai. Beaucoup, beaucoup d'amour, même beaucoup de bêtises, beaucoup de galères, mais beaucoup d'amour aussi. Bon, on regrette pas. Anounette. Comme il est. Regardez-moi cette belette. Il est en train de dormir. Oui, on dirait une petite vachette avec ses petites taches là. Oui, mon fio-fio. Oui. Et toi, ça te fait quoi que ça fasse un an que t'es avec nous, Nino? Parle-nous. Ça fait un an que t'es avec nous, il faut que tu parles. Maintenant, il est temps de parler là. Il sent balèque. On dirait un suricate comme ça. Regarde sans ses oreilles. Pico, regarde la caméra. Coquette, quand t'as pas tes oreilles. On dirait une petite souris. Ouais, j'avoue. Bon, Nounette, t'es fatigué? Là, il est fatigué. Il a fait tellement de conneries, vous voyez, quand il a fait courir. Ouais, regarde, il s'endort debout. Vous voyez, c'est des malades ces chiens. T'es un malade. Ils s'épuisent jusqu'à ce qu'ils en peuvent plus. Ouais, et après c'est des locks. Et après, regarde, ils bougent plus là. Tu bouges plus. Bah oui. Non. Là, il s'est posé. Bref, du coup, là, les potes, ça fait un an. Et bah, vous aussi, ça fait un petit peu un an que vous partagez bah,
la croissance de voilà. Piccolo. Genre la vie de Piccolo. Donc du coup voilà, j'espère que ça vous fait plaisir aussi à vous aussi que bah ça y est, on fait un peu entre parenthèses, c'est un an parce que ça fait vraiment un an qu'il est, ouais, qu'il est avec nous. Qu'il est avec nous. Et du coup voilà, il a eu besoin de se faire sevrer, sinon il était désœuvré. Oh, n'importe quoi. C'est-à-dire mais quoi, entre-temps, il s'est passé. C'est-à-dire quoi désœuvré exactement? C'est-à-dire dépité, tu vois. Non. Ah, désœuvré. Les gars, donnez-moi la définition de désœuvré dans les commentaires. Ça veut pas dire dépité. Dépité, si. Ça veut dire que t'es triste. Désœuvré, ça veut mais dire. Désœuvré, en... c'est pareil. Non, désœuvré, ça veut dire que t'es un peu désœuvré. J'en sais rien. Bref, entre temps, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Mais il est débile, là, il se tape des barres tout seul. C'est pour la rien. Question du jour, les potes. Que veut dire désœuvré? Moi, je suis sûr, ça veut dire un peu. Ouais, si tu veux. Bref, entre temps, il s'est passé quand même pas mal de choses puisqu'on l'a castré, on est parti en vacances avec lui, on est parti à la montagne avec à lui. À la mer. On l'a laissé aussi pendant une semaine quand on est parti à Paris, du coup on est rentré plus tôt parce qu'on n'en pouvait plus. Il s'est passé quand même beaucoup de choses, il nous en a fait des conneries aussi. Hein. À Nounette. Mais du coup, en fait, c'est aussi pour ça qu'on vous fait cette vidéo, c'est que on a fait un peu le bilan avec Roro du fait que ça fait un an qu'on est avec Pico et comment on s'en est occupé, tout ça. Et c'est vrai qu'on aimerait avoir un deuxième chien. Voilà, on vous en avait parlé l'autre jour. Yes. Mais là, Roro, il n'arrête pas de me bassiner avec ça. Plus Roro que moi, quand même, parce que moi, je suis mon petit bébé, tu vois. Je ne sais pas si j'aurais suffisamment d'amour à donner à tous les deux. Mais dans un sens, c'est vrai que ce serait bien d'en avoir un deuxième, quand même. Yes. Bon, on va montrer ce qu'on a fait aujourd'hui pour qu'on sorte cette vidéo en retard. Du coup, les potes, je vous montre de l'intérieur. Enfin, en gros, de l'intérieur. Est-ce que vous vous souvenez juste des bâches trop mal faites? Si on l'avait filmé. Ah bah si, il me semble qu'on avait filmé quand même. En tout cas, bon. Regardez-moi ça comment c'est tout propre là. Il y avait un brise-vue là, mais il était... En gros là, il y avait un brise-vue juste avant, mais il tombait en fait. Genre, voilà, il était dégueulasse. Là, tu vois, genre, on voyait tout le lotissement en fait. Qu'est-ce qu'il boit lui? Ah, c'est sa gamelle. Et du coup, bah là, on en a remis un nouveau, un tout neuf. Voilà, bien filmé, on l'a accroché avec des petites accroches comme ça. Ouais. On a fait ça bien. C'était avec la mère en haut d'ailleurs, si elle passe par là, bah, des gros bisous et merci parce que franchement, trop bien fait. Tiens, mais attends, toi tu restes ici. Ouais, toi tu bouges pas, mon pote. On va filmer de devant, comment ça rentre. Ah, on l'a fixé avec ça en fait. Je sais pas si ça va se voir là. Ouais, bon là ça a été fixé comme ça du coup. Et là il y a des sangles pour bien tenir parce que je vous assure c'était dégueulasse. Je sais pas si on vous avait bien filmé une fois, mais les bâches elles partaient vraiment, c'était horrible. Bon, c'est qu'un brise-vue du coup on voit un petit peu à travers, mais sans plus. Ouais. On a mis pratiquement toute l'après-midi à faire ça. Bah ouais, toi t'avais commencé avec ta mère pendant que moi j'étais en train de tourner ma vidéo parce que j'ai sorti une vidéo aujourd'hui. D'ailleurs, pour ceux qui veulent la voir, allez la voir. Je passe ma petite pub. Et bon, bref, du coup on a refait tout le brise-vue de là jusqu'à là-bas, mis à part la dernière partie. Genre celle-là où on n'avait plus assez d'attache pour... il nous restait de la bâche, mais on n'avait plus assez d'attache pour faire la suite. Voilà, j'ai fait un peu de la merde là. Parce qu'en gros, j'ai voulu découper tout le truc, mais je me suis un peu emballée. Du coup, j'ai trop découpé, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, voilà, dites-nous si vous aimez bien. Bon, c'est un brise-vue, hein, on va pas se mentir. Hein. Mais dans un sens, c'est quand même mieux. C'est pas de la folie. C'est mieux. Parce qu'en vrai, on a fait ça proprement, tu vois. On a fait passer les sangles à travers et tout. Trop bien. Moi, j'ai une petite énigme. Oui. Pour les inspecteurs de la vidéo là. Toi tu sors pas toi. À la fin de la vidéo, j'ai une petite énigme pour vous. Les potes, lundi, il y a quelque chose qui va arriver dans le jardin. Il y a quelque chose, il y a un truc qui va se passer. Assez conséquent. Il y a un changement. Normalement, c'est lundi qu'on le reçoit normalement. Dites-moi ce que vous pensez que ça sera. Voilà. Faites vos potes inspecteurs, ça peut être n'importe quoi. Les potes, ça peut très bien être, je sais pas, je veux pas donner d'exemple. Ça peut être de tout. Des jouets pour Pico, des transats. Peut-être autre chose. Voilà, genre peut-être un truc pour le déni, on sait pas. Bref, les potes, je vous laisse deviner dans les commentaires. Mettez-nous en commentaire ce que vous pensez qui va arriver lundi. Si c'est pas lundi, ça sera cette semaine de toutes les manières. Enfin, ça sera la semaine qui arrive là. Les potes, du coup, vu que la vidéo va sortir en retard, bah, on sera en live, je pense, plus vers 22h, 22h30, les potes. Ça, on n'y manquera pas, il n'y a pas de souci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, on voulait marquer le coup au niveau de Pico, que c'était c'est un an qu'il était avec nous. Et puis, comme vous faites entre parenthèses partie intégrante de la chaîne, on vous montre un peu tout ce qu'on fait. Et que Piccolo, entre parenthèses, bah, il y en a, je sais, qui se sentent proches de lui, même si c'est à travers un écran. Mais il a quand même grandi avec vous en vrai. Voilà, exactement. Donc, je sais que vous aussi, ça va vous faire un petit peu. Enfin, c'est un peu d'émotion cette vidéo, tu vois. Et en plus de ça, on est dans la nouvelle maison et tout et tout. On lui avait promis que pour ses un an, il aurait une maison. Et en plus de ça, bah, il a une maison. On a tenu notre promesse. Voilà, les potes, ça fait un petit nostalgie, tu vois, cette vidéo. Du coup, bah voilà, j'espère que vous l'aurez aimé, les potes. En tout cas, voilà, on a. Ils sont pas les couilles.
De ouf. Bref, j'espère que vous l'aurez aimé les potes. J'espère que bah vous penserez à liker la vidéo. J'espère que vous penserez à vous abonner. Pour ceux qui sont pas encore abonnés, les potes, c'est très très important. On arrive bientôt sur les 500 000 abonnés là. Je crois qu'il nous manque 17 000 ou 16 000. Je sais plus exactement les potes. Je suis plus moi. Donc faites-moi péter ces putains de 500 000 abonnés les potes. Franchement, je compte sur vous. N'oubliez pas de nous soutenir, comme je vous ai dit au départ de la vidéo, dans la boutique les potes. C'est aussi très très important. Et puis nous, on vous dit à ce soir pour le live et demain pour une nouvelle vidéo. Peace.